qui il est derrière le volant, que ce soit en course de côte et en slalom. Et derrière lui s'était lancé donc la Seat Arosa 7V, celle de Michael Massona, le numéro 70. Voilà, Gérard qui a dû sortir un petit peu large là-bas dans la chicane. Il y avait une quille de toucher pour Gérard, parce qu'on a vu un peu de poussière. Et puis donc, ce coup-ci, c'est le numéro 156 avec Périne Barré au volant qui est entré en piste. Voilà, et Gérard, il est au taquet, hein, ça y va. Oula, on monte un petit peu sur le vibreur. On a tendance à vouloir couper sur les vibreurs. Sur les roues, on en a vu quelques-uns par le passé ici. Michael Massona qui lui en termine avec son premier tour et va rentrer dans son deuxième tour de piste ici avec cet original Seat. Et puis Perrine pose déjeuner. Voilà, ça sera une discipline totalement différente pour Perrine, mais bon, c'est la bonne occasion dans ce double slalom de prendre la voiture en main. Gérard Touron qui vient donc d'en terminer maintenant avec sa première manche de course. Ah, le 70, donc Michael Massona en option. Un moteur de Clio, moteur 1,6 16 soupapes, 105 chevaux dans cette modeste voiture. 105 chevaux pour 600 et quelques kilos. Faites le ratio, c'est très intéressant. C'est une voiture qui est posée par terre, hein, une voiture déjà typée pour la course. Très courte en plus. Voilà, tout ce qu'il faut, tous les ingrédients sont réunis pour la mener à la victoire dans ce groupe loisir avec première place. Dans son groupe de loisirs, derrière Jean, c'est numéro 58, il me semble, avec le roi au vent. Cette 205 que nous avons vu, le Ford Ka. Le 54 au départ maintenant, Anthony Chagnon sur cette Peugeot 205 Rally. Voilà, enfin une voiture qui donne la réplique à nos amis du stand de tir à côté. Vous l'avez entendu, la coupure sur la bonne de vitesse séquentielle, le changement de rapport. Avec cette très belle Clio Williams verte et blanche, on la connaît maintenant. Très 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 souvent la victoire.
Aujourd'hui, on devra avoir une belle confrontation avec Anthony Meunier. Et pourquoi pas le jouer venir jouer les troubles faits entre son papa